on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Délivre-nous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau livre, La Cité de l'Homme, dont l'auteur est Jeanne Dupraux. L'histoire parle d'une ville souterraine qui a été construite par des bâtisseurs, qui est très pauvre, qui a souvent des coupures d'électricité, qui est très sombre. Les personnages principaux sont Lina Mayfleet et Dune Harrow. Les deux étaient à l'école ensemble et ils ont commencé à travailler à partir de 12 ans, décidé par le maire. Voilà. Un jour, Lina, elle a décidé de quitter la ville, mais elle ne savait pas comment faire. Mais elle a découvert une boîte secrète qui indiquait la sortie de la ville. Et voilà, elle a essayé de résoudre ce qui était écrit, ils ont finalement réussi. Mais on ne sait pas encore s'ils sont... Ils sont partis de la vie. Voilà. Moi, honnêtement, j'ai adoré ce livre parce que j'ai adoré l'idée d'une ville souterraine. Aussi, j'ai aimé l'énigme du petit papier et le suspense qu'il y avait. Et voilà. Et aussi, j'ai aussi aimé dans ce livre le plan de la ville d'Anvers. C'était une très bonne idée, honnêtement. Et voilà. Je conseille ce livre aux gens qui aiment bien le mystère, le suspense et les romans. Et voilà, je vais vous lire un petit passage à propos de la ville d'Anvers. Les travaux de construction de la cité d'Anvers étaient presque achevés. Personne n'y habitait encore. Le maître d'œuvre et son second éreintés pour plusieurs mois de dur labeur s'arrêtèrent un instant pour contempler le résultat de leurs efforts et évoquer l'avenir. Il va falloir qu'il reste là pendant au moins 200 ans, peut-être même 220, dit le maire d'œuvre d'un ton résigné. Ce serait assez, demanda son assistant. A priori, oui, mais il n'y a aucune certitude. Quand ce serait fini, comment sauront-ils quoi faire? Poursuivit le second. Ils auront les consignes qu'on leur aura laissées, répliqua le chef des bâtisseurs, qui sera chargé de ces consignes, qui sera capable de les garder en sécurité et au secret pendant tout ce temps. Le maire de la ville, répondit le maître d'œuvre, les instructions seront enfermées dans une boîte équipée d'un système de verrou à horloge interne. Voilà. Donc la boîte, c'est Lina qui a trouvé dans le placard de sa grand-mère. Et voilà. Bon. Moi, j'ai bien aimé ce livre. Je vous dis, honnêtement, je vous le conseille. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé mon discours. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on se dit à la prochaine.